starting early, getting a head start, making sure my clients get the best service. Got a problem with a tree in the back. Engineer's coming early. Avec le COVID, faites attention aux autres. Selon Luc Montagnier, les Chinois travaillaient sur un vaccin pour le sida. Fait quand tu travailles sur un vaccin, tu prends le virus puis tu te prends pour attaquer le virus, c'est seulement que ça marche. Les Chinois, ils ont mélangé le SRAS et le sida pour faire un virus qui allait tuer le sida. T'sais? Ça serait devenu un vaccin. COVID, là, c'est un code name. CO pour Corona, la famille du virus. VI, virus. D, disease. 19, 2019. Depuis le 19 décembre 2019, que le médecin dans le laboratoire P4 en Chine, il y a deux masques d'en face. Quoi tu penses? Tu savais de quoi tu parles, hein? C'est pas une petite grippe. C'est une colisse de virus qui allait sortir de là. Puis Luc Montagnier, ben, ça donne, il parle français, là. C'est lui, en 1981, qui a découvert le sida. Quand il regarde avec son microscope, lui, là, le COVID-19, qu'est-ce qu'il voit? Le génome du sida. Toi, tu connais 26 lettres de l'alphabet. Luc Montagnier connaît les 30 000 génomes du sida. Puis il envoie les génomes, les séquences du génome. Fait que si t'es plus intelligent que Luc Montagnier, hein, et puis t'es le prix Nobel de la médecine, hein, puis la tête dirigeante de l'Institut Pasteur, l'entité de tous les vaccins de la race humaine, située au 211 boulevard Vaugirard, à Paris, au coin de Pasteur et Vaugirard dans le 15e, ben check, tu peux parler. Mais si t'as pas le prix Nobel de la médecine, si t'es pas virologue, si t'es pas Luc Montagnier, zip zip, ta gueule. Puis ta vie, puis reste en vase, ça coupe. Ceux qui prétendent avoir un vaccin, ben, vous prétendez avoir un vaccin, puis sida, puis SRAS. Gang de ça coupe. Luc Montagnier, c'est lui qu'il faut écouter. Il n'en reste plus de Québécois. Dites-leur donc la vérité, cette petite gang de cave. Bon, moi, j'ai travaillé. Rien que ça à faire.